Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes sacs. Et oui, parce que j'en ai quand même pas mal. Je sais pas du tout combien j'en ai, je les compterai à la fin. Mais en tout cas, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon, du coup là je vous montre, j'ai tout disposé sur mon lit, ensuite je vais les mettre au fond pour que ça fasse joli, donc c'est parti quoi. Alors on va commencer, alors il n'y aura pas forcément de sens à cette vidéo, je vais pas faire une catégorie sac à main, sac de soirée, sac à dos, tout sera mélangé parce que j'ai vraiment tout mis comme ça. Donc je vais déjà commencer par celui-ci que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, de mes cadeaux de Noël d'ailleurs je crois, il y a l'année dernière, ou de mon anniversaire, je sais plus. Mais c'est un sac qui est en tout cas assez spécial, il est artisanal tout simplement parce que c'est quelqu'un de ma famille qui l'est fait par passion tout simplement. Donc si on regarde bien en fait toutes les couleurs, c'est des sacs de croquettes de chien ou de chat, oui. C'est réutilisable et en plus franchement donc elle est plastifiée, comme ça s'il pleut bah au moins le sac n'est pas trempé. Et ensuite du coup les lanières sont passées comme ça donc tout le long et hop du coup ils sont comme ça si j'arrive. Donc je trouve ça fait un petit peu sac de plage où on peut vraiment mettre tout et n'importe quoi dedans. Donc je le trouve bah, grave beau. Ensuite, je sais même pas où regarder tellement j'en ai. Alors ce sac là, il est un petit peu à part des autres tout simplement parce que c'est un sac de sport que je prenais quand j'allais au sport au lycée où je mettais comment dire, mon survêt ainsi que mes chaussures. Et c'est de la marque Adidas, donc c'est écrit en gros, on le voit. Et en tout cas, il a une contenance qui est quand même pas mal. Enfin, je trouve que ça fait un petit sac de sport qui n'est pas non plus trop gros. Donc il est tout noir, basique, donc voilà quoi. Ensuite, alors celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo. Mais je vais le représenter ici, si encore où les autres n'ont pas vu celle de mes cadeaux d'anniversaire. Donc c'est un sac de la marque David Jones. Voilà, je sais toujours pas le prononcer, Paris. Donc il est jaune et il est vraiment magnifique avec une anse, donc on peut le porter de deux façons, soit par ici, soit par ici. Et en tout cas, pareil, donc il s'ouvre, tac, comme ça. Et à l'intérieur, donc c'est assez petit, on met juste son portefeuille, son téléphone, juste vraiment les choses nécessaires pour sortir. Donc il y a des petits compartiments et il y a aussi une fermeture derrière, hop. Donc voilà, j'arrive même pas à l'ouvrir correctement. Mais voilà ce qu'il y en est pour ce sac là. Tac. Ensuite, alors, tac. Pareil pour ce sac là. C'est ma mère qui me l'a offert. Donc pareil, c'est dans la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. C'est pareil, c'est comme le tout premier sac. C'est un sac artisanal fait main par une personne que je connais. Et en tout cas, il est grave réussi. Enfin, franchement, on dirait les sacs qu'on achète dans les commerces. Il est vraiment trop beau. Alors, je sais pas par contre si c'est du cuir. Voilà, je sais pas du tout. Avec un petit tissu plage. Donc, hop, pour l'ouvrir. Alors, j'y arrive pas. Tac. Donc, celui-ci, je l'utilise du coup pour le boulot. Donc, je l'ai déjà utilisé bah, pas mal de fois là depuis. Et ce qui est bien, donc que j'avais dit, donc c'est qu'il y a des compartiments à l'intérieur, donc c'est vraiment trop bien. Et c'est un sac qui est assez léger et pareil, il y a une contenance où on peut mettre pas mal de choses dedans, donc il est vraiment bah trop bien. Et on le porte du coup bah à l'épaule, tac, comme ceci. Ensuite, alors ça, ne commencez pas à dire waouh, elle a ce sac là, c'est du faux, je vous le dis tout de suite, voilà. C'est un faux Louis Vuitton que j'ai acheté au Maroc quand je suis partie au 4L Trophy. J'ai mis un petit bandeau ici parce que je trouvais ça trop beau. J'ai mis des choses à l'intérieur pour que ça fasse bah, assez bourbé, sinon c'est tout plat. Donc il est de couleur noire et il est vraiment magnifique, enfin que ce soit un vrai ou un faux, moi j'en ai un peu rien à faire. Et en tout cas il me sert grave pour partir en vacances pour le week-end, je peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais il est vraiment pas mal, hop le derrière. Donc il y a deux anses, il y en a une ici et une ici. Et du coup concernant l'intérieur, alors je vais retirer du coup, enfin non je vais laisser, bon j'ai juste mis des gilets. Mais du coup l'intérieur c'est rouge, voilà un peu la base on va dire des sacs authentiques Louis Vuitton. Et du coup hop, il y a également une fermeture à l'intérieur, je sais même pas s'il y a des choses, non. Donc c'est noir, tac,
Mais en tout cas, il est très... je trouve qu'il a une très bonne qualité pour un faux. Mais ouais, franchement, je le conseille si encore vous allez au Maroc. Enfin, de toute façon, vous verrez, hein. Mais ouais, franchement, je le kiffe. Ensuite, alors, celui-ci, pareil, je l'avais déjà présenté dans les cadeaux de mon anniversaire. Donc, il est tout noir et il est très, très classe. Donc, il y a deux hanches. Il y en a une petite ici qui est plus pour décorer. Et sinon, c'est celle-ci, donc, qui se porte à l'épaule. Concernant l'intérieur, donc pareil, il y a des compartiments, donc on peut mettre quand même pas mal de choses. Après, ça reste quand même un petit sac, donc il y a des petits compartiments ici, un qui sépare là, et du coup une petite fermeture pareil à l'intérieur. Donc ça, c'est tous les basiques des sacs. Et ouais, franchement, je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion, mais bah, il est vraiment trop trop beau. Et du coup, il vient de chez Moa et ouais, il est magnifique. Ensuite, un sac, celui-ci. Alors, je l'ai mis en vente sur Vinted simplement parce que je l'utilise plus et je l'aime plus trop. Mais du coup, je vous le présente quand même parce qu'il est encore en ma possession. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, je vous mets mon Vinted. Donc, il vient de chez Gémeaux. Donc, c'est un peu mon tout premier sac. Je crois même que c'est, ouais, pratiquement mon tout premier sac que j'ai eu. Parce qu'il y en a que j'ai eu mais que j'utilise plus et que je n'ai plus aussi. Donc, hop. C'est un sac donc avec un petit aimant pour l'ouvrir. Ensuite, une petite pochette. Et dedans, par contre, il n'y a pas de compartiment. On met juste les choses à l'intérieur. Il y a toujours la petite fermeture ici. Hop. Du coup, il est de couleur marron. Je ne sais pas trop s'il ressort bien à la caméra. Légèrement, mais très légèrement pailleté. Mais il est en très très bon état. Il y a vraiment juste ici qui est un petit peu abîmé. Mais en tout cas, ouais, il est vraiment en très très bon état. Parce que j'ai dû l'utiliser quoi, allez, 5 fois grand maximum. Et du coup, pour le porter, hop, donc il se porte à l'épaule. Et bah, il rend bah, très bien. Pour continuer, parce que c'est vrai que je dis tout le temps ensuite, ça doit être très énervant. Ou des E. Mais c'est la façon dont je m'exprime. Donc je suis vraiment désolée. Donc pour celui-ci. Hop, donc il est bordeaux, pareil, je l'ai eu à mon anniversaire il y a, je crois maintenant il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, peut-être que je l'ai eu pour mes 18 ans, ouais je crois, ça doit être ça même. Donc du coup il est bordeaux, il y avait un petit pompon ici que malheureusement bah, il s'est cassé, donc bah, je l'ai pas remis. Il y a un petit froufrou ici comme décoration et il est vraiment magnifique. Il y a, hop, une pochette ici. Je regarde s'il n'y a rien à l'intérieur parce que c'est des sacs à des fois que j'utilise. Puis j'utilise un autre, etc. Comme j'en ai plein, tous les jours limite je change. Donc il reste toujours des trucs à l'intérieur. Donc ici il n'y a rien, donc c'est une petite pochette. Hop, et du coup à l'intérieur par contre celui-ci il est vraiment bien. On peut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de choses. Ah bah, des doliprane. On peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a 3 compartiments. Ici, je mettais ma bouteille d'eau et dans l'autre, je mettais mon chargeur et ma batterie externe. D'ailleurs, je cherchais depuis très très longtemps et il était dans mon sac. Donc, je suis très contente de l'avoir retrouvé. Donc, voilà. Et du coup, dans celui du milieu, il y a des petits, on va dire, compartiments. Pareil, la petite fermeture ici. Donc, on peut le porter de deux façons, soit à la main ou à l'épaule. Donc, ici, il y a des... crochet pour mettre la lanière, je l'ai pas mise parce que je le mets jamais à l'épaule, mais en tout cas s'il y en a qui sont intéressés, bah voilà. Par contre c'est vrai que je dis pas les références des sacs parce que la plupart on me les a offerts, donc je ne sais pas si ils existent encore, et ce que je ne sais surtout pas c'est d'où ils viennent, donc voilà, je suis désolée s'il y en a qui sont intéressés par les sacs, mais je pourrais pas vous dire les références, donc voilà. Prochain sac, donc hop, sac à dos basique que j'utilisais au lycée, donc c'est un Nispack, donc je pense qu'on les connaît tous, je vais vraiment faire une présentation vite fait. J'avais juste mis un petit cordon, c'est marqué quoi, la passion du chocolat, c'est un truc, vous savez les petits rubans qu'ils mettent au chocolat, j'avais mis là parce qu'il était rose pâle et c'est ma couleur préférée, pour le reconnaître. Donc hop, il y a la pochette basique, tac, hop, et du coup bah l'autre, où vraiment, oula, où vraiment on peut bah tout mettre. D'ailleurs il est sale, faudrait que je le lave, mais en tout cas il est vraiment pas mal, hein. Franchement ceux qui veulent un sac à dos, je vous conseille le Nispack. Concernant les lanières pour le mettre à son dos, ils sont vraiment très résistantes et ils font pas mal, il y a des
je sais pas, de la mousse entre guillemets. Et bah voilà, de toute façon tout le monde connaît. Donc ensuite, tiens, je vais faire celui-ci. Donc pareil, c'est un faux Louis Vuitton. Je l'ai acheté en même temps que l'autre au Maroc. Donc l'intérieur rouge, voilà. Donc très pétant. Hop, ici une petite pochette. On peut mettre, bon voilà, un peu tout et n'importe quoi. Juste le désavantage que je dirais à ce sac, c'est qu'il n'y a pas de fermeture ici. Donc en fait s'il pleut c'est pas pratique du tout, mais il y a juste un petit crochet, hop, juste ici en fait, là, voilà, pour le fermer. Voilà, je trouve que c'est pas trop nécessaire. Après sur les côtés, ça je sais pas trop à quoi ça sert, donc il y en a de chaque côté, voilà. Mais en tout cas bah pareil, il est très beau. Bon, on va faire un petit point là, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Il me reste encore du coup 6 sacs à vous présenter. Il y a celui-ci, pareil, vous avez déjà dû le voir. Donc il est à ma pote que je lui ai emprunté. Mais je l'adore. Il vient de chez Primark. Je sais pas du tout le tarif. Je peux juste vous dire qu'il vient de là-haut, mais ça date. Donc je pense qu'on pourra pas le retrouver. À l'intérieur, c'est cool. On met vraiment juste le nécessaire, c'est tout. Ici, il y a un petit compartiment pour séparer. Moi, souvent, je le prends pour aller en soirée. Je mets juste mes cartes. Ici, je mets juste mon chargeur. Et c'est tout, et bah il est vraiment trop pratique, et en plus il va avec toutes les tenues, et il est vraiment trop beau, donc on peut le mettre de deux façons, pareil, soit le tenir à la main, ou soit à l'épaule, et un peu comme tous les sacs. Ensuite, alors celui-ci c'est un sac à dos, c'est un tout petit, je l'ai acheté sur un marché, donc c'est du faux cuir. Je l'utilisais, parce que ça fait longtemps que je suis pas repartie en vacances, pour mettre mon appareil photo dedans. Et il est vraiment trop bien, donc on peut mettre vraiment pareil ce qu'on a besoin. Il a pas mal de contenance, donc l'intérieur il est bordeaux comme on peut le voir. Ici il y a des petites pochettes, voilà. Et devant, tac, pareil, on peut mettre ce qu'on veut. D'ailleurs il y a des mouchoirs, je vais les retirer parce qu'à mon avis ce sac là je suis pas prête de le réutiliser. Hop, donc je ferme. Par contre c'est un sac qui se porte assez bas quand on le met, comment dire, au dos. Parce que moi je sais que je le sers à fond et il me descend quand même pas mal. Donc voilà les lanières du sac. Voilà, je vous présente pas ce que c'est un sac à dos, mais ouais franchement je l'ai trouvé grave beau. J'ai eu un coup de cœur dessus, donc je l'ai acheté. Sac suivant, celui-ci c'est un donc c'est un Longchamp, donc il est abîmé parce qu'on voit que je l'ai beaucoup utilisé, surtout au collège et au lycée aussi. Mais ouais, il est encore quand même en bon état quand même. Donc il y a le petit logo ici. Donc après les Longchamp, voilà, tout le monde en a eu je pense. Par contre le problème c'est qu'il se déraillait. Alors là, est-ce que je vais réussir? Ouais, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc voilà à l'intérieur, il est noir. Donc là il est de couleur marron. Ici, moi je mettais toujours mon téléphone, donc dans cette pochette, ou des mouchoirs, ou du gel hydroalcoolique, ça dépendait. Mais en tout cas c'était mon premier sac, on va dire, on va pas dire de luxe, parce que c'est des sacs qui sont, on va dire, plus ou moins accessibles à tous. Mais c'est vraiment mon premier sac de marque. Voilà, c'est plutôt ça ce que je voulais dire. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc je devrais d'ailleurs le reprendre peut-être prochainement. Mais comme j'en ai plein, voilà, je sais jamais lequel mettre pour quelle tenue, s'il me faut un gros sac, un petit sac, bon bref, c'est toujours mon quotidien. Donc voilà ce qu'il y en est pour ce sac. Alors celui-ci c'est mon deuxième sac de marque que j'ai acheté. Il m'a coûté cher, vraiment j'étais là, est-ce que je l'achète? Je ne l'achète pas. Je sais plus si c'était 120 ou 140 euros, mais je sais pas, il était simple. Et moi j'aime bien un peu ce qui est simple, pas trop sophistiqué ou extravagant, ou je sais pas comment on le dit, bref. Il est marron aussi, donc je pense qu'on voit, j'ai beaucoup de sacs noirs ou marrons. C'est vrai que la couleur j'en prends pas trop, mais c'est vrai que s'il y en a qui veulent m'en prendre, bah voilà, vous savez. Donc du coup ce qu'il y en est de l'intérieur, hop, ça doit être du cuir, je suis pas sûre du tout. Il y a des petits compartiments, donc dedans c'est la matière d'un, hop, donc là aussi. Et il y a toujours la fermeture ici, tac, où on peut mettre des choses à l'intérieur. Pareil, ça fait longtemps que du coup je l'ai pas repris. Enfin, il y a quoi, il y a un mois ou deux mois, je le prends plus parce que il s'abîme. Et c'est vrai que je l'utilisais pour le boulot, sachant qu'à des fois où je vais, il y a des chats, il y a des chiens, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours peur qu'il y ait un chat qui vienne me le griffer. Et puis pareil, il y a quand même pas mal d'usure en fait du cuir à force de le poser, etc. Ici, je pense que ça doit quand même se voir à la caméra. Mais je l'adore de fou, et celui-là c'est mon sac d'amour. C'est bon, on arrive à la fin, et il en reste deux, oui, parce qu'ici il n'y en a plus, donc là il m'en reste deux.
lequel je prends? Tiens, on va prendre celui-ci. C'est un sac Galanterie. Alors celui-là, pareil, je pense qu'il y en a qui l'ont beaucoup vu. Surtout ceux qui sont nés dans mon époque. Enfin, dans mon époque, c'est pas non plus l'époque, mais en 2001. Donc c'est ça, Galanterie, c'est pareil, celui que j'utilisais au collège. Non, plutôt au lycée. Collège-lycée, je sais plus. Donc pareil, on pouvait mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc là, tout le long des bannières, c'est marqué Galanterie. Il se porte à l'épaule parce que les hanches sont quand même assez grandes. Et après, bah du coup, celle-ci, voilà, c'est pour décorer parce qu'au final, elle fait la même longueur. Ce qui en est de l'intérieur, c'est vrai que je m'en souviens même plus. Ah oui, c'est vrai que l'intérieur est pas ouf. Voilà, il y avait des couleurs. Le tissu, je pense qu'il y a mieux. Pareil, je l'ai tellement utilisé. Donc là, hop, pareil, des pochettes. Je sais pas s'il y a la fermeture dont il y a sur pratiquement tous les sacs. Non, il n'y a pas de petite pochette à fermeture à l'intérieur. Et on voit quand même que, bah voilà, hein, je l'ai utilisé aussi. Là, surtout là, hein, y a plein de petites... Enfin, c'est pas des trous, mais où le cuir s'est retiré. Il me semble aussi, je sais pas s'il y a des vrais et des faux Galanteries, mais moi je l'avais acheté dans un chinois. Donc je pense aussi que c'est un faux Galanterie. Je crois que je l'ai payé 25€. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y en a qui savent. Mais ouais, ces sacs-là, franchement, là je suis en train de vous faire revivre et vous faire penser à... avant. Allez, hop, j'en ai marre. Cette séquence, ouais, non. Et du coup, mon dernier sac... je sais plus, je crois que je l'ai acheté aussi dans un chinois. Bon, ça se voit, hein. Là les lanières c'est du faux cuir, hein, je vous le confirme. Il y a le même que sur le bordeaux là, un petit froufrou, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Et pareil, je l'ai tellement utilisé celui-là. Bon, maintenant pareil, je l'utilise plus comme j'ai des nouveaux sacs. Bah voilà, faut bien que j'utilise les nouveaux aussi. Mais du coup, je délaisse un petit peu les anciens. Faudrait que je les ressorte. Mais bon, donc c'est pareil de la marque Galanterie. Ah bah je l'ai acheté dans le même chinois que celui d'avant. Je savais même plus que c'était un Galanterie. Donc c'est écrit juste ici. Pareil, ça doit être un faux. Enfin, je sais pas s'il y a des faux, des vrais, bref. Vous m'avez compris. Et du coup, l'intérieur, pareil, il y a des compartiments. Ça, c'est trop bien. Il y a une fermeture là. Il y en a une ici. Bon, je ne vais pas les ouvrir. Et ici, du coup, pareil, pour mettre un peu tout et n'importe quoi. Et bah voilà ce qui en est pour mes sacs. Tac. Donc là, on peut vraiment voir tous mes sacs. Voilà, je les ai tous mis derrière dans le décor. C'est ça que j'ai oublié de faire, c'est de les compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, j'en ai pas en dessous là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16, donc bah voilà, ça fait quand même pas mal de sacs. Je pensais que j'en avais moins que ça, donc c'est pour ça que quand je les ai sortis, je me suis dit je vais faire une vidéo parce que j'étais en train de faire un tri dans mon armoire. Mais en tout cas, je vais pas blablater plus longtemps, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao tout le monde.